Je suis Ousmane Tian, journaliste reporter d'image à CNNews.com. En même temps aussi, j'administre et j'écris des articles à travers CNNews étudiants qui concernent l'actualité étudiantine au jour le jour et aller à la quête de l'information. Pour ma formation, j'ai effectué à l'Institut Polytechnique de Dakar, IPD Thomas Sankara, qui est un institut privé en journalisme et communication. Et alhamdoulilah, j'ai eu ma licence l'année dernière. Alors, le travail de journaliste, comme vous venez de le dire, est un peu complexe dans la mesure où le matin, il faut venir au bureau, effectuer la réunion de rédaction, ensuite le choix des sujets avec le rédacteur en chef. Ensuite, on se rend tous sur le terrain pour essayer de trouver ces informations-là. Et avec la société, avec les citoyens, on va essayer de traiter cette information et revenir rédiger un article de presse pour après la publication. Alors, pour être journaliste, c'est facile, c'est difficile. D'abord, il faut avoir, selon moi, un niveau linguistique un peu normal, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que pour traiter un article, il faut essayer d'abord, bien sûr, de comprendre la langue française, d'abord à l'écrit, mais aussi à l'oral. Et avoir ce niveau de français vous permettra, bien sûr, d'avancer dans ce métier-là. Ensuite, essayez de maîtriser les cours que vous avez eu à assimiler au cours de votre formation et à l'alliant avec la pratique. Donc il faut être quelqu'un de pragmatique, vivace dans le traitement de l'information tout en gardant l'éthique et la déontologie, bien sûr, et faire un traitement concernant la triangulation de la source qui est très important dans notre métier pour livrer à ce citoyen, à ce lecteur qui vous attend durant la journée pour qu'il y ait bien sûr cette information crédible et bien sûr vérifiable. Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier de journalisme, ce sont les enquêtes de fond, dans la mesure où je vais tout le temps au fin fond du Sénégal pour essayer de trouver l'information, pour ensuite essayer de traiter et de publier. Alors, pour les inconvénients de ce métier-là, je peux dire qu'en tant qu'un jeune, récemment marié, dans ma vie personnelle, j'ai pas le temps des fois de m'occuper de certaines choses familiales. Donc vous voyez, donc c'est un souci qui est là, j'en passe, mais aussi dans le traitement des fois de l'information, on a des problèmes pour faire le recoupement de certaines informations et ce qui revient à dire l'accès à l'information est des fois difficile dans certains sujets qu'on voudrait traiter. Juste après mon baccalauréat, je n'ai même pas hésité 2 secondes parce que avant d'être Isbou actuellement, j'étais bien sûr un jeune footballeur. Donc après le baccalauréat, je me suis dit que je ne vais pas me rendre à l'université publique. Non, je vais faire une formation professionnelle et comme je suis un peu bavard, je vais embrasser le métier de journaliste. Pourquoi pas tenter ma chance. Ensuite, je suis là actuellement et ma formation a été excellente dans la mesure où j'étais le major de ma promotion. À l'Institut Polytechnique de Dakar, j'ai eu à suivre la formation journalisme et communication. Et j'ai fait la radio à l'école, mais aussi la télé en même temps et la presse écrite. Donc vous voyez, on a cumulé toutes ces 3 formations-là et au finish, on a pu exercer ce métier-là. Oui, pour moi, j'ai eu la chance, dès ma première année, j'ai eu à faire la radio directement en obtenant ma première carte de presse. Je remercie
un professeur hein, qui a tout fait, beaucoup fait pour moi et qui a beaucoup contribué à ma formation parce que j'ai eu à travailler pour la première fois dans sa radio. Donc je pense que je n'ai pas eu de difficultés me concernant pour obtenir le premier stage. Oui, là aussi, je n'ai pas eu de problème majeur. Donc, je peux dire que juste après mes stages à la radio, j'ai contacté le site dont je travaille actuellement avec le directeur Massamba Kane, que je remercie au passage aussi. Il n'a même pas hésité une seconde à me recruter juste après notre entretien ici. Donc, voilà, depuis lors, je fais mon petit bonhomme de chemin, alhamdoulilah. Je pense que nos pères qui sont actuellement des personnalités dans ce pays-là et respectés ont eu à galérer dans ce métier-là. Je veux nommer les gens Maïsse Diop, je veux nommer les Doudou Koulibaly, les Amadou Tidiane, de l'Echicom, Pape Samba Kane et j'en passe. Ils ont beaucoup fait et Madame Safili aussi, qui est actuellement aussi ancienne journaliste. Mais je peux dire que ces gens-là ont peiné. Avant d'en arriver là aujourd'hui. Donc il faut être patient et s'armer de courage pour pouvoir évoluer dans ce métier-là. Dans notre domaine qui est la presse en ligne, par exemple ici à CNews, on peut être rédacteur web, mais aussi quitter de rédacteur web pour devenir un journaliste de terrain. Ensuite, faire la présentation des émissions, du journal et j'en passe. Donc il y a beaucoup de possibilités là aussi qui nous sont offertes dans ce domaine-là. C'est un honneur pour moi d'être là, hein, dans Campus Teranga, comme j'ai eu à le voir dans les autres entretiens. Vraiment, je vous félicite pour votre travail excellent que vous faites pour la jeunesse estudiantine, mais aussi pour la jeunesse sénégalaise, parce que c'est une occasion aussi de nous faire découvrir un peu partout dans le monde. Alors, je ne vais pas terminer cette émission sans remercier ceux qui ont contribué à ma formation jusqu'à ce que j'en arrive là. Donc, je vais commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un monsieur à qui je dois beaucoup, qui est Monsieur Doudou Koulibaly et sa femme Ndeye Fatou Sané, qui ont beaucoup contribué aussi dans ma vie professionnelle que personnelle. Mais aussi remercier mon entourage, mes collègues qui sont là, et en commençant par le directeur général, Massamba Kane, jusqu'au rédacteur en chef, ma famille, la famille Tiang, commençant par ma mère qui a aussi beaucoup fait pour moi, mère Rama Diallo, mais aussi ma femme au quotidien, elle est toujours là, elle est présente, Mashallah, elle m'a même habillée aujourd'hui pour que je passe dans Campus Teranga. Donc Madame Tiang, Awadjara, merci beaucoup.